Monsieur Pivi, quand vous preniez le pouvoir, quel grade aviez-vous? En prenant le pouvoir, j'étais au grade de lieutenant. Sur la photo, quel grade se trouve là? Ici, c'est le grade capitaine. Parfait. Quand vous prenez le pouvoir, monsieur Aboubacar Diakité, avec quel grade? Il était au grade de sergent-chef. Sergent-chef. Ce sont les deux V. Oui. Sur cette photo que vous avez avec vous, quel est-ce? Il est au grade adjudant ici. Là-bas, il est? Grade adjudant. Parfait. Quand vous preniez le pouvoir, quel grade le général Sekouba avait? Quand on prenait le pouvoir, c'était le grade colonel plein. Et sur cette photo, c'est quel grade? Ici, je vois général de brigade. Est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est fabriqué? Ce n'est pas le jour de la prise de pouvoir, ce qu'on a exhibé là. Ça, c'est des photos après la prise de pouvoir. Totalement après la prise de pouvoir. Je vais aller même plus loin. Vous avez écouté le ministre Diaby ici. Il avait déclaré ceci, qu'il a été appelé par ses amis. Et quand il est arrivé devant le camp, Makambo était là le jour de la prise de pouvoir et lui a dit, si vous ne prenez pas le pouvoir la nuit là, on va tous, je ne sais pas, vous tuer, je ne sais plus, je peux me tromper. Ce jour-là, ça veut dire que Makambo était à la porte et n'était pas à la prise de pouvoir, n'est-ce pas? Oui, il était à la porte. Est-ce que sur cette photo, il ne figure pas Makambo? Sur cette photo, attention. Juste entre votre tête, passez-moi l'expression, et la tête de monsieur Toumba. Est-ce que ce n'est pas Makambo qui est derrière? C'est Makambo qui est derrière. Est-ce que Makambo pouvait-il être à la porte du camp et être au lieu de prise de pouvoir? Non, ici, ça c'est... Vous n'avez pas compris. Est-ce qu'il pouvait être aux deux endroits en même temps? Non. Non? Non. Est-ce que ce n'est pas une preuve que depuis que ce procès-là a commencé, M. Aboubacar Toumba cherche à manipuler, cherche à toujours arguer de contre-vérité? Est-ce que ce n'est pas la vraie preuve? Est-ce que ce n'est pas la preuve? J'ai bien dit que ici, ça c'est après la prise de pouvoir. Toujours sur la même question. Les photos que je vous ai remises, que j'ai montrées hier, regardez les, si le président a ces mêmes photos, regardez les tenues que vous portiez le 22 dans la nuit à la prise du pouvoir. Est-ce que ce sont les mêmes tenues? Non. À la prise du pouvoir, nous étions j'étais en tenue parachutiste. Vous ne voyez pas qu'à la limite, c'est même du faux que l'on vient de faire? J'espère de tout cœur que le parquet prendra ses responsabilités par rapport à ce faux produit par une partie à une audience pour tromper la religion du tribunal. Monsieur Claude Pivi, je pense que cette question est réglée. Est-ce que cela veut dire tout simplement que tout ce que vous avez dit dans cette salle ici par rapport à la prise de pouvoir, c'est vous qui avez raison, c'est vous qui dites la vérité à 100%. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'un tel prédateur qui ne dit pas la vérité doit être entendu par le tribunal et même par toutes les parties? Bien sûr. Est-ce que celui qui dit des contre-vérités et qui produit en faux à une audience doit être, ses déclarations doivent être prises au sérieux? Non. Alors,
Monsieur Claude Pivi, c'est vous qui avez été l'homme fort du 22 et 23 décembre 2008. Même sur la photo, mais regardez la position du président. Mais ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés. Mais regardez comment il est arrêté à côté. Est-ce que ce n'est pas le patron qui regarde ses subordonnés qui discutent entre eux? Bien sûr. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, que la prise du pouvoir, c'était M. Copeland, l'armée guinéenne et Dieu, comme le dit celui qui a été le président de la transition à l'époque. N'est-ce pas cela? C'est ça, exactement. On va avancer. Je pense que ça, c'est très clair. Mais, puisque on a déjà peur, est-ce que vous saviez qu'ils ont déjà peur? Me prenez? Est-ce que vous saviez que la défense de M. Aboubakar a déjà peur de la défense du président Dadis? Ils ont déjà peur. Ils ont déjà peur, c'est pourquoi, alors même que je n'ai pas encore produit un passeport, ils en parlent parce qu'ils savent que j'ai tous les éléments qu'il faut contre eux. C'est cette peur-là qui les amène à ne pas vous respecter ou parfois à titiller même les autres avocats. Mais nous, nous n'en ferons pas autant. On va avancer. Hier, je vous ai lu ici une déclaration du président El Hadj Sellou Dalein Diallo. Vous le connaissez bien? Si, je connais le président Sellou. C'est un homme responsable, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est un grand homme? C'est un grand homme. Est-ce que selon vous, ce grand homme ne peut pas dire des contre-vérités? Si, il peut dire. D'accord. Alors hier, vous avez entendu dans son PV, vous l'avez entendu dire qu'il a pu, le commandant Aboubakar Diakité, en tête de béret rouge, tiré à bout portant au stade. Est-ce que cela ne suffit pas pour expliquer que c'est M. Toumba qui était au stade avec ses hommes pour commettre tous ces massacres? Est-ce que ce n'est pas ça? Cette déclaration ne constitue pas une preuve? Déjà, ça, c'est une preuve. Je vais vous aider, puisque on se rabat toujours sur le rapport d'enquête international. Monsieur le Président, le rapport d'enquête internationale, je voudrais lire une partie, la page 49. La page 49. Voici ce que les enquêteurs disent. La commission dispose d'éléments suffisants engageant la responsabilité pénale directe du lieutenant Aboubakar. Ici, ils ont dit Chérif Diakité dit Toumba, voire une responsabilité de commandement pour les faits qui se sont produits dans le contexte de l'attaque du 28 septembre et les jours suivants. Plus loin, on ne peut pas lire tout, je vais vous poser des questions quand je finis. Plus loin, il est indiqué sur la même page, in fine, la commission a pu confirmer que le lieutenant Toumba est entré dans le stade au même moment que les hommes sous son contrôle. L'organisation et la coordination entre les forces de sécurité durant l'attaque, décrite au paragraphe 206 dessus, démontre le degré de contrôle effectif, je pèse mes mots, de contrôle effectif que Toumba avait sur les membres de la garde présidentielle. C'est d'ailleurs le lieutenant Toumba lui-même qui a indiqué à la commission que, c'est une citation qui commence, l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres et ne peut être traitée comme une institution civile, confirmant ainsi sans nom, non sans fierté, le contrôle qu'il exerce sur ses hommes. Il convient de noter qu'il a refusé, contrairement au commandant Thiébro, que la commission
s'entretiennent avec certains de ses subordonnés. Le dernier paragraphe que je lis. La présence du lieutenant Toumba au stade et en différents endroits après les événements survenus dans l'enceinte du stade indique qu'il savait où, du moins il pouvait savoir, que ses subordonnés étaient responsables des crimes décrits dans le rapport. Non seulement le lieutenant Toumba n'a rien fait pour empêcher la perpétration de ces crimes, mais il a même directement participé à leur exécution. La commission conclut dès lors de ce qui précède qu'il existe de sérieux motifs présumés également en sur la responsabilité individuelle et personnelle du lieutenant Toumba, une responsabilité solidaire en sa qualité de chef militaire. N'est-ce pas aussi la preuve que ces massacres ont été perpétrés par M. Aboubacar Toumba, M. Aboubacar Diakité alias Toumba? Oui. Est-ce qu'à partir de là, lorsqu'on indique que c'est lui-même qui le dit, avait une commission effective sur ces hommes, est-ce qu'on peut le disculper de cette responsabilité pour faire supporter cela par le président Dadis? Non, on ne peut pas. Non, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Claude Pivi. Oui. Vous avez entendu ici Monsieur Aboubacar indiquer clairement qu'il n'a pas reçu d'ordre du président Dadis pour aller faire ce qu'il a fait avec ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que cela n'est pas aussi suffisant que le président Dadis n'a jamais donné un ordre, aussi bien directement qu'indirectement? Ça, déjà, ça suffit. Il n'a jamais donné l'ordre. Parfait. Dites-moi, qui a braqué M. Alcéni Barry de Safricom en prenant son coffre-fort rempli d'argent? Bon, ça, c'est pas passé devant moi. Vous ne saviez pas? Oui. M. Alcéni Barry vit. Il a été braqué par M. Toumba et il a fallu l'intervention de Dadis pour libérer. Il vit. Qui a séquestré M. Daouda Cissé? Bon, ça, je n'en sais pas. C'est encore lui et ses hommes. Qui a mis le général Toto à genoux? C'est lui-même. Et expliquez les circonstances. Comme j'avais bien dit hier, je dis, ça s'est effectué à la rentrée du camp Alpha Aya, où ils ont coïncidé la rentrée aussi du général Toto, se sont regroupés sur lui, le désobéir et le mettre à genoux. Donc, le bruit est venu nous trouver au régiment. Nous, on était tous au courant. N'est-ce pas un acte d'indiscipline? Ça a été un acte d'indiscipline. Est-ce que lorsque le président Dadis dit que l'armée était indisciplinée, ce n'est pas cela encore une autre preuve? Bien sûr. Qui a violé la fille adoptive de feu général en son comté? Ce que nous, on a appris, c'est le commandant Toumba et ses équipes. Encore lui. Et ses équipes. N'est-ce pas là un autre acte d'indiscipline? Ça aussi, c'est l'un des actes d'indiscipline. Dites-moi, je veux juste une estimation. Au camp Koundara, il y avait combien d'hommes? Combien? On pouvait estimer combien d'hommes là-bas? Bon, puisque là-bas, je n'étais pas responsable de ce camp, Vous ne pouviez pas estimer. Voilà. Mais en général, dans un camp comme ça, il pouvait y avoir combien d'hommes? Moi, je ne demande pas de nombre exact. Bon, là-bas, il pouvait y avoir au moins plus de 200 hommes. Il pouvait y avoir au moins 200 hommes. Ouais. Qui était le chef de bataillon? C'était un bataillon? Bon, c'est un détachement, c'est un bataillon quand même. C'était sous
La responsabilité, le commandement de qui? C'était sous le commandement de Degré. Le commandement de Degré, n'est-ce pas? Qui était Degré par rapport à M. Toumba? Parce que là-bas, comme j'ai dit, c'est un détachement, c'est toujours un détachement du salon. Donc, c'est Toumba qui commande tout, mais celui qui est là-bas, qui assure la responsabilité de la base, c'est Degré. D'accord. Monsieur Claude Pivy, la partie civile vous a posé la question de savoir si vous pouvez indiquer ce que le président Dadis a fait concrètement ou a posé concrètement comme action pour éviter les événements du 28 septembre. Je vais vous lire une partie de la déposition de M. Toumba, de plutôt de M. Thibou Camara. Vous connaissez Thibou Camara? Bien sûr, je le connais. Qui il était? Il était aussi un membre, quand même, un membre du gouvernement attaché à la présidence. D'accord. Monsieur le Président, le procès verbal de déposition des témoins l'an 2007 et le 10 août à 10h. Hein? Oui, l'an 2017 et le 10 août à 10h. Page numéro 2, à la fin. Voici ce que Monsieur Thibou indique. 2 et 3. Sur interpellation, lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien l'étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de déclarer la date et surtout de décaler la date, excusez-moi, et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris mon téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre M. Sidia Touré. Plus loin, il dit, c'est Dadis qui a parlé à Sidia Touré avec mon téléphone. C'est un chef d'État qui se comporte comme cela. Est-ce que n'est-ce pas un acte concret posé pour éviter les événements du 28 septembre? Effectivement, c'est un acte concret. Quand lui-même, il prend son téléphone, dans quel pays du monde, vous avez vu cela? Lui-même prend son téléphone pour appeler un leader et lui demander. N'est-ce pas un acte qu'il a posé en amont pour qu'on évite, pour prendre des dispositions contre ce qui s'est passé? Oui. Vous savez pourquoi je le dis? Parce qu'on veut banaliser de l'autre côté. On vous fait comprendre que ça a été un acte de dernière, des actes de dernières heures prises pour masquer ce qu'on avait déjà préparé. Si vous avez bien compris le texte, M. Thibault parle effectivement de la réunion au camp Alafaya dont tout le monde est en train de parler. L'objet, c'était quoi? C'était que chacun se prononce sur la manifestation. Est-ce qu'il ne ressort pas clairement de ce PV cela? Si. Est-ce que vous connaissiez les rapports entre M. Thibou Camara et le général Sekouba Konaté? Il y avait de bons rapports. Savez-vous que Thibou n'avait aucun intérêt à ne pas dire la vérité? Ce qu'il a dit est effectivement la vérité?
Effectivement, la vérité. Parfait. Est-ce que vous êtes aussi au courant qu'à travers Jean-Marie Beu, qui était désigné par les forces vives de l'époque comme porte-parole, le président a demandé aux différents religieux de le rencontrer et une délégation est allée le voir? J'avais attendu ça. N'est-ce pas un autre acte posé par le président Dadis pour éviter ce qui s'est passé? C'est des actes posés. Alors, si on vous demande qu'est-ce qui a été posé en amont, voilà des éléments concrets. Est-ce que ces éléments-là ne pouvaient pas suffire ou ne suffisent pas pour dédouaner le président Dadis en ce qui concerne l'amont par rapport à ces faits qui sont commis? Pour ceux qui interviennent après, nous en parlerons avec lui. Ça suffit largement. Est-ce que cela n'est pas suffisant? C'est suffisant, n'est-ce pas? Oui. Merci. Monsieur Claude Pivy, on vous a posé une question qui m'a fait rire, mais c'est la peur. La défense de M. Diakité vous a dit, après la production du rapport de la commission d'enquête internationale, pourquoi n'avez-vous pas arrêté M. Aboubacar Diakité? À quel moment le rapport a été produit? C'était en 2010, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en 2010, M. Aboubacar Touma n'était pas en fuite? Mais il n'était plus là. Mais est-ce que vous pouviez l'arrêter matériellement? Non. Est-ce que cette question-là a vraiment un objet par rapport à son contenu? Ce n'est pas un objet. Il n'était plus là, il était en fuite. Vous ne pouviez même pas l'arrêter. Oui. Parfait. Mais est-ce que le président Dadis lui-même était ici? Non. Il avait été touché et il était en convalescence. Il était déjà touché, il était déjà au traitement. Mais au Burkina. Est-ce qu'à ce moment-là, il pouvait vous dire encore de continuer à arrêter quelqu'un qui est déjà en fuite? Non, il ne pouvait pas. Vous saviez pourquoi il a fui vers le Sénégal? C'est ce qui leur fait peur. Est-ce que vous le saviez? Non. Je donnerai les raisons quand le président Dadis sera là. Monsieur Toumba, la même défense, toujours la défense de M. Diakité, insiste en vous disant que le président a violé ou s'est rendu coupable de violation de consignes militaires, motif tiré de ce que une consigne générale avait été donnée et que vous étiez sorti. Entre la consigne générale donnée par le truchement légal du chef d'état-major et la mission spéciale reçue de vous, qu'est-ce qui est antérieur ou postérieur à l'autre? Je veux dire, qu'est-ce qui est venu avant, qu'est-ce qui est venu après, pour que vous compreniez. Ce qui est supérieur, c'est celle du président de la République. Je ne parle pas de supériorité. Qu'est-ce qui a été donné avant et qu'est-ce qui a été donné après? Ma mission a été donnée avant. Votre mission a été donnée avant. Vous ne saviez pas que l'administration est une continuité, devrait fonctionner? Est-ce que c'est parce que une consigne est donnée que vous allez désobéir à une mission spéciale, d'exécuter une mission spéciale confiée à vous par le président de l'époque? Effectivement, c'est parce que c'est une mission du président qui est confiée à moi. Mais en quoi cela ressemble à une violation de consigne générale? Est-ce qu'il y a une violation de consigne générale ici? C'est pas une violation. Par vous? C'est pas une violation. Est-ce que peut-on alors parler de complicité de violation de telle consigne? Non. Là encore, vous voyez, ils ont peur. C'est pour ça qu'ils ne trouvent plus les questions à poser. Mais si d'ailleurs nous allons dans la même logique que, mais il est constant que M. Aboubacar Touma était sorti, non?
J'ai appris qu'il était sorti. Est-ce que lui-même n'a pas alors violé cette consigne? Puisque lui, contrairement à vous, n'avait pas de mission spéciale du président. Est-ce que lui-même n'a pas violé cette consigne? C'est lui-même qui a violé la Alors, consigne. Si on doit punir quelqu'un, si le tribunal devrait condamner, comme on le dit, de 6 mois à 2 ans, qui? Est-ce que ce n'est pas M. Aboubakar Toumba qui tomberait sous le coup de la loi pénale par rapport à cela? Celui qui tomberait parce par celui qui a violé. Il est sorti. Alors que la consigne générale concernait tous les militaires, comme l'ont bien soutenu sa propre défense. Bien sûr. Alors, entre lui et vous, par rapport à la consigne, au respect lié à la consigne générale, qui a violé une consigne générale et conséquemment qui peut bien être puni? C'est lui qui doit être bien puni. C'est non seulement lui qui a violé cette consigne générale. Et si quelqu'un doit être puni avec cela, c'est bien lui, n'est-ce pas? Merci. Monsieur Claude, il y a une question qui revient. Je veux que vous fassiez un effort, ou on va le faire ensemble, pour distinguer entre la présidence de la République en tant qu'institution, le président de la République en tant qu'institution, et le président de la République en tant que personne physique. Lorsqu'on dit que vous êtes ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce qu'à côté du président, il y a plusieurs autres services à la présidence? S'il y a d'autres services au niveau là-bas. Mais vous ne pensez pas que votre mission couvre tous les services de la présidence? Ça couvre toutes les missions de la présidence. Ça couvre toutes les missions et tous les services de la présidence, n'est-ce pas? Oui. À la présidence, il y avait un directeur, un secrétaire général. S'il y avait un secrétaire général. Il y avait un secrétaire général du gouvernement attaché à la présidence. Bien. Il y avait même un ministère de la Défense qui était également attaché à la présidence. Il y a tous un ministre de la Défense attaché à la présidence. Il y avait une institution appelée protocole de la présidence de la République. Il y avait un protocole. Mais est-ce que votre rôle n'était pas d'assurer la sécurité de tous ces services-là? Mon rôle, c'était d'assurer la Alors la pourquoi vous continuez à indiquer ou à faire croire que vous aviez un ministère sans portefeuille? J'avais bien sûr, mon rôle était d'assurer... Alors, vous aviez un véritable rôle qui allait au-delà de la personne du président de la République. N'est-ce pas? Bien sûr. Alors, c'est cette personne-là. Est-ce que c'est cette personne-là, la personne du président de la République, qui était gardée par son aide de camp? Oui. Mais c'est normal, n'est-ce pas? C'est normal. Alors, et la personne du président de la République et l'institution qu'incarne le président de la République devraient être assurées par vous en tant qu'administrateur, donc ministre chargé de la sécurité présidentielle. C'est bien cela? Bien ça. On va aller plus loin. Lorsqu'un aide de camp dit que je pouvais rester, voir que le président est allé ailleurs sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle? Non. Mais l'aide de camp, c'est qui? C'est celui qui doit poser ses pas où les pas du président sont posés, n'est-ce pas? L'aide de camp bouge toujours avec le président. Mais lorsqu'un aide de camp dit, je n'étais pas là, le président est allé sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle? En ce moment, il ne joue pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que le président a quitté Conakry jusqu'à Dubreka sans moi, est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que je suis allé après le président à Dubreka, mais je ne sais pas par où il est parti et je ne l'ai vu que le matin. Est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas joué bien son rôle. Ça ne veut pas dire qu'on pouvait à tout moment écraser, tuer le président. Un aide de camp doit être toujours... un rôle à jouer. Il n'a pas bien joué son rôle. Il ne jouait pas alors bien son rôle. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais je vais revenir sur un élément qui est social, je ne voudrais pas en parler, mais c'est dérangeant, il faut qu'on parle. Est-ce que M. Toumba Diakité est allé vers le président Dadis, quand il n'était pas encore président, pour lui demander de l'argent à travers une ordonnance ou pour lui demander des médicaments? Il a été passé par moi. Oui.
par une ordonnance de sa maman qui était gravement malade. C'était pour quoi? C'était pour l'assister à payer l'ordonnance. Donc c'était pour demander de l'argent? Bien sûr. Mais est-ce que c'était pour demander des médicaments? C'est pour demander de l'argent pour pouvoir payer ses produits. Parce qu'on veut vous faire comprendre que en tant que médecin militaire, c'était incompréhensible que lui il demande des produits au président Dadis. Mais est-ce qu'il est allé demander des produits? Il est allé demander de l'argent. Ne pensez-vous pas que c'est cet acte de générosité posé par le président qu'il a toujours positivement hanté? Et pour laquelle il s'est dit, je dois être engagé pour le président Dadis. Vous n'avez pas compris? Si. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le bienfait du président Dadis qui l'a amené, lui, à être avec lui, à l'adouper, à le dompter, à vouloir vivre à tout moment avec lui et à être à ses côtés, à lui faire confiance? Exactement. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est pour ça que le président Dadis lui a aussi fait confiance? C'est à travers ça, grâce et à travers moi-même. Grâce à vous, parce que le président Dadis vous faisait également confiance. Confiance. N'est-ce pas? Exactement. Alors, entre les deux, si on doit parler de trahison, entre M. Boubacar Diakité alias Toumba et le président Moussa Dadis Camara, qui a trahi l'autre? J'ai posé la même question à M. Sossé Raphaël ici. Qui a trahi l'autre? Mais c'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. C'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. J'avais beaucoup de questions à vous poser, mais il me semble que je vais laisser la place aux autres. C'est suffisant parce que je vous trouve fatigué. Je vous remercie, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur les assesseurs.